Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le 24 août 2024 et nous nous retrouvons, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, à notre rendez-vous. Je sais que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui. Mais avant de rentrer et de vous présenter ce sur quoi nous allons échanger aujourd'hui, nous voulons rappeler un certain nombre d'informations sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard. Les ministres congolais sont en vacances. Le président de la République et tous les autres sont en vacances. Ils ont beaucoup travaillé et ils pensent qu'ils ont bien travaillé, que c'est des vacances méritées pour qu'ils aillent se reposer. Il y a un fait important également qui va attirer notre attention. C'est ce qui s'est passé en Guinée équatoriale lundi dernier. Et certains d'entre vous me diront, qu'est-ce qui s'est passé en Guinée équatoriale? Parce que nous allons y revenir sur dans le développement. Écoutez, en Guinée équatoriale, le président de Obiang Nguema, qui est au pouvoir depuis près de 42 ans, mais dans son pays, son fils, l'un de ses fils, a été jugé lundi dernier, avec probablement une condamnation de 18 ans d'emprisonnement et une amende de 500 millions de francs CFA. C'est vraiment inédit en Afrique, mais nous allons y revenir dans le corps du développement. Ensuite, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que nous allons continuer l'analyse du message parce que nous avons été préoccupés sur un certain nombre d'aspects qui ont été développés. Notamment, nous avons constaté que dans ce message, le mot « responsabilité » a été utilisé 16 fois. Je me trompe peut-être, mais j'ai compté 16 fois. Ensuite, on a dit que nous avions l'ambition patriotique de léguer le Congo aux générations montantes et futures dans la paix, que nous voulions un Congo attractif où il fait bon vivre. Et enfin, l'autre aspect que je vais relever, on nous a dit, il faut aimer. Il faut aimer le pays, il faut aimer la patrie, il faut aimer la justice, il faut aimer la morale. Tout ça, ce sont des paroles. Maintenant, il faut regarder en pratique ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite aborder un thème qui est le suivant. Quel Congo allons-nous léguer aux générations montantes et futures? Je le dis au regard de ce qui se passe. Et le premier point que je vais aborder, c'est le curieux silence au niveau du Congo sur ce que je considère, moi, être un complot international contre le Congo, sinon contre l'État congolais. Nous l'avons révélé, c'est pas de notre fait. Nous n'avons fait que faire réapparaître un certain nombre de vidéos que Laurent Sokoko, ce citoyen angolais, a fait ressortir clairement sur un projet, soi-disant, d'assassinat du président de la République qui était monté en vue de son renversement et ensuite en vue de la conservation du pouvoir. Nous sommes surpris que les gouvernants soient partis en vacances, le président de la République est en vacances, etc., avec un curieux silence sur ce problème que nous jugeons extrêmement important, qui, à notre avis, pose à la fois pour le développement que nous allons faire les problèmes de paix et de justice. Nous le disons pour la simple raison que dans les débats qui accourent dans notre pays, notamment sur les terres et sur les autres aspects, nous avons entendu, par exemple, le Premier ministre dire qu'il fallait que l'administration était écrite et qu'elle n'était pas orale. Et nous lui avons posé une question simple. Cette administration n'était pas orale lorsque Jean-Marie Michel Moukoko ou Aimé Idever Mouani ont été interpellés. Et en ce qui concerne Jean-Marie Michel Moukoko, il a déjà été jugé, condamné à 20 ans d'emprisonnement et il est en train d'en purger la 8e année. Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce qu'on peut accepter que même les juristes n'arrivent pas à interpréter nos textes? Et moi, je reviens là-dessus pour une raison simple.
Parce que l'accord 15, l'article 15 de notre constitution dit clairement que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. Nul ne doit être avantagé, favorisé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Et j'ajoute, l'article 77, grâce auquel le président de la République a prêté son serment, dit quoi? Il a prêté le serment de garantir la paix et la justice à tous. Et nous sommes surpris. Nous considérons cela, au moment où on veut mettre en exergue la paix et la justice, comme une injustice intolérable, notamment à l'endroit de Jean-Marie Michel Moukoko. Si tel est le cas, pourquoi le problème de la libération de Jean-Marie Michel Moukoko pose problème? Quel est le problème en réalité? Pourquoi y a-t-il des Congolais qui devraient être enfermés dans la maison d'arrêt et d'autres qui, soit pour des raisons de crimes économiques et financiers, soit pour des complots politiques, peuvent avoir la liberté de circuler librement, etc. Mais ça pose un certain nombre de problèmes. Et les gouvernants ne s'en rendent peut-être pas compte. Mais ça crée terriblement un malaise. Et je crois, avant d'arriver à la conclusion finale que j'aurai tout à l'heure, je crois qu'il est venu le temps de libérer les prisonniers politiques en général, particulièrement Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi-Salissa. Il est temps que l'on règle le problème du retour au pays des exilés, comme Benoît Poukébéné, etc. Parce qu'on ne peut pas à la fois se dire démocrate, se dire qu'on est des hommes de paix, etc. et essayer de favoriser les injustices aussi grandes dans notre pays. Je crois que c'est très important et il faut que nous le regardions. Le deuxième aspect que je vais aborder, je rappelle aux Congolais que les syndicats des retraités de la CREF avaient lancé un mot d'ordre d'un sitting à la primature. On a tout fait. On a tout fait pour les décourager en disant que le pays traversait une grave crise économique et financière, que le trou est profond, que tout le monde sait que le trou est profond, etc., et qu'il fallait renoncer à cette idée. Et puis finalement, ils ont été reçus par le Premier ministre qui a décidé de payer la pension du mois de mai. Et il avait pris l'engagement, le Premier ministre, de tout faire pour que la pension du mois de juin soit payée avant le 15 août. Et lui-même, il a pris l'engagement en disant que fin août, début septembre, le Congo va régler son problème d'équilibre macroéconomique et que le paiement de la pension va redevenir régulier. Les retraités peuvent se rendre compte aujourd'hui que c'est une fausse promesse pour des gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, pour des gens qui constituent une population vulnérable. Est-ce que c'est normal qu'on puisse mentir à ce niveau, de ce point de vue? Est-ce qu'on garantit la paix et la sécurité? Et moi, j'interpelle, non pas le Premier ministre, j'interpelle les responsables de nos syndicats. Mes frères, vous avez constaté que nous ne vivons que dans le mensonge, dans les fausses promesses. Ce gouvernement a perdu toute crédibilité. Nous vous interpellons pour que vous nous convoquiez en Assemblée générale et qu'au cours de cette Assemblée générale, que les retraités eux-mêmes essaient d'échanger et de voir les possibilités de régler ce problème. Pas seulement le problème des arriérés, des mois de pension, mais également le problème de l'harmonisation du point d'indice à 300, le problème du paiement des arriérés, des arriérages, également le problème des différentiels depuis 2014. On ne peut pas rester silencieux. Et je dis aux gouvernants, ils ne garantissent pas la paix et la justice en agissant ici. D'ailleurs, il n'est pas normal que et les salaires et les pensions ne soient pas payés de façon concomitante. Et c'est véritablement dommage qu'on puisse y arriver. Le troisième point que je vais aborder, c'est pour vous informer une nouvelle fois que le 28 juin 2024, avec Destin Mélène Gavé, président du MR, avec Jean-Pierre Anyangoy, président du parti Le Pape, avec Victor Onyango, vice-président du parti Renaissance et moi-même,
Nous avons organisé une conférence de presse et au sortir de cette conférence de presse, nous avons publié une déclaration que nous avons faite parvenir aux plus hautes autorités de notre pays et à l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Je crois que vous avez suivi les réactions. Et nous avons été agréablement surpris, il faut le dire, que le 7 août, nous ayons eu en retour la réponse du Premier ministre qui nous a envoyé un bottin de 355 pages où il y a pratiquement tous les accords. Mais en ce qui me concerne, il faut se donner le temps pour que ces documents soient authentifiés parce qu'il y a beaucoup de méfiance dans notre pays et je ne voudrais pas qu'on parle d'accords bidons comme on l'a fait lorsqu'on avait parlé des évêques, des documents qui avaient été remis aux évêques. Et le 20 août dernier, nous avons fait une conférence de presse pour répondre à ce que le Premier ministre a dit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais revenir sur deux points. Le premier point, s'agissant de la question fondamentale de savoir qui ment entre le Congo et le Rwanda. Et pourquoi cette question se pose? Cette question se pose parce que le 27 juillet 2021, l'ambassadeur du Rwanda a rencontré Pierre Mabiala, ministre chargé des affaires foncières au niveau du Congo, et était parti lui demander les titres fonciers pour les terres que le gouvernement congolais avait données à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud. Cette information a été bien reprise de façon écrite dans le site officiel de l'ambassade du Rwanda par le journal en ligne Les Échos du Congo-Brazzaville, par l'Agence d'information d'Afrique centrale et par plusieurs autres, puisqu'il ressortait clairement que le ministre congolais l'avait rassuré de son engagement à tout mettre en œuvre pour que ce titre soit obtenu dans les meilleurs délais. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le 30 mars 2024, c'est une vidéo qui a été tirée, qui a été mise sur les réseaux sociaux, qui fait apparaître clairement que la chaîne nationale de télévision rwandaise a annoncé que du 4 au 8 mars 2024, une mission des membres du secteur privé rwandais a séjourné au Congo et a visité les deux sites de terrain d'une superficie cumulée de 980 km² que le Congo a offert au Rwanda et que les Rwandais, avec enthousiasme, voulaient venir y cultiver du piment, du maïs et du soja. Depuis qu'on a commencé ce débat et qu'on pose la question au gouvernement, les communicateurs du gouvernement, qui ne sont même pas très nombreux sur la question, ils sont trois, n'ont fait que dire que les terres n'ont été ni cédées ni vendues. Et quand on leur dit de se référer à la déclaration qui a été faite par les autorités rwandaises, ils disent l'administration n'est pas orale, elle est écrite. Elle est écrite quand il s'agit de ce point. Mais quand il s'agissait d'Aimé Idiévert Moigny ou bien de Jean-Marie Michel Moukoko, pourquoi il n'était pas écrit? Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, où font-ils l'article 25 qui garantit la liberté d'expression au Congo et que cette expression peut se traduire soit par écrit, soit par oral, soit par tout autre moyen de communication? Non, nous ne faisons pas ça. C'est un débat extrêmement sérieux. Et les Congolais ont découvert, en réalité, qu'il y avait un deal caché dans cette affaire. Mais nous avons fait une conférence de presse. Nous avons tenu à réapporter les éclaircissements, à repréciser un certain nombre de questions que nous avons posées au gouvernement et pour lesquelles le gouvernement n'a jamais été capable de répondre. L'une des questions qui se rapporte à cette situation, c'est par exemple de savoir sur la base de quels critères et de quelles études les sites choisis n'ont été localisés que dans la partie sud du pays, en plus dans les zones à très forte densité humaine en ce qui concerne notre pays. Cette question n'a jamais trouvé de réponse. La deuxième question que je peux rappeler ici, est-il normal que l'on installe par exemple les Rwandais à Maluku, à la frontière avec la République démocratique du Congo? C'est-à-dire en fait que nous livrons nos terres aux Rwandais pour qu'ils recherchent les moyens financiers dont ils ont besoin
à partir de nos terres pour entretenir la guerre et perpétrer les massacres en République démocratique du Congo. Sur cette vision également, nous disons que nous ne partageons pas cette vision au-delà des autres questions. Donc voilà que nous avons fait le 20 août 2024 une autre conférence de presse et nous avons tenu à repréciser sur cette question que c'est non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit, oui à l'annulation pure et simple de ces accords et nous allons continuer là-dessus. Le quatrième point que nous allons aborder, nous allons revenir sur ce que nous avons annoncé. Ruslan Obiang Nsue, fils du président Obiang Maki au pouvoir depuis 42 ans, fils donc du président Obiang Maki, a été jugé et condamné. Pour quelle raison? Il a vendu un avion de la compagnie aérienne nationale de la Guinée équatoriale. Et il a reconnu les faits. Selon lui, il aurait le contrat de vente se serait élevé à près de 250 000 euros. On ne lui aurait versé que les 125 000 euros. Et je tiens à vous donner ces détails pour que vous vous rendez compte de la situation. Et les 125 000 euros qui lui ont été versés, il a versé ça dans un compte à lui en Espagne. Je le dis parce que dans la plupart de nos pays, les enfants des présidents, les enfants des dignitaires du pouvoir, les enfants des gouvernants qui se disent ou du pouvoir ou au pouvoir pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Voler, détourner, corrompre, dans l'impunité totale. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de faire état de ce cas pour dire aux Congolais, pour dire aux gouvernants congolais que le monde change, le monde bouge. Le silence qui était observé hier ne sera pas de tout temps observé. Et que les enfants des présidents, même dans notre pays, parce que dans notre pays, on apprend souvent qu'ils interviennent aux douanes, qu'ils interviennent dans beaucoup de secteurs, parce qu'ils sont du pouvoir ou au pouvoir. Il faut que l'on mette fin à ça. Et c'est là l'un des premiers aspects qui apparaît et que nous allons aborder tout à l'heure sur la responsabilité. Et à mon avis, c'est un aspect extrêmement important. L'autre sujet sur lequel je vais venir, s'agissant de cette notion de pouvoir, après qu'on ait parlé des enfants, des présidents ou des dignitaires du pouvoir de nos différents pays, c'est aujourd'hui, on a lu sur les réseaux sociaux qu'il y a un comité de trésorerie qui se tient à Oyo. Évidemment, ça montre bien, mais pour moi, ou sinon pour nous, ce comité de trésorerie pose un problème. Pourquoi? La première remarque que je ferai avant de faire les autres, c'est que le président de la haute autorité de lutte contre la corruption n'est pas pris en ligne de compte. Alors que je pense que dans la démarche de vouloir renflouer les caisses de l'État qui seraient, semble-t-il, vides, l'un des domaines sur lesquels nous devons intervenir, c'est pas seulement penser aux douanes, passer aux impôts ou d'ailleurs le niveau de corruption est très élevé. Il faut que nous menions une lutte âpre et farouche contre la corruption. Et je suis surpris qu'au moment où on recherche les moyens financiers, évidemment, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption est écarté. Et je crois que ça devrait être rattrapé. Maintenant, s'agissant de ce comité, tel qu'il est composé, j'ai vu la composition et j'ai vu qu'il y avait près de 15 membres. Je vais dire un certain nombre de choses qui vont choquer certains d'entre nous, parce que c'est l'illustration frappante de la gestion clanique. Je l'ai dit pourquoi? Parce que sur les 15 membres, je dis bien sur les 15 membres, 12 appartiennent ou au département du président de la République, au même département que le président de la République, sinon sont de la même ethnie que lui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas sérieux. Et après, on parle d'unité nationale, de concorde nationale. Comment on en est arrivé là? Donc, sur les 15, je préfère que les Congolais s'en rendent compte. Il n'y a que 3 qui ne sont pas de cette obédience. Les 3, je les cite, c'est Anatole Colinet-Makosso, le premier ministre,
C'est Florent Tibar, le ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État, et c'est Martin Aubamy, le nouveau directeur général de la CCM. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Est-ce qu'on peut... Et c'est Coline Makosso qui signe. Et quand je prends une autre vision d'analyse de cette situation, je me rends compte, je vous dis sincèrement, 14 personnes appartiennent à la zone septentrionale du pays. Et si on parle du sud, c'est pas que je ne suis pas partisan de la division nord-sud, mais si on ne parle que du sud, il n'y a qu'un cheveu dans la soupe. C'est Anatole Coligny-Makosso qui est là tout seul. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Et c'est comme ça que généralement, les gens donnent une certaine conception erronée du pouvoir. Ah, le pouvoir est chez nous. Le président de la cuvette, ah bon, plusieurs personnes de la cuvette peuvent se dire qu'ils sont au pouvoir ou qu'ils sont du pouvoir. Le pouvoir est chez eux. Vision erronée. Parce que lorsqu'il s'agit d'aller aux élections, c'est tout le pays qu'on parcourt. Et si on regarde les chiffres de la population du département de la cuvette, je ne crois pas que si tout ce monde votait pour un candidat contre tous les autres départements, que ce candidat pourrait être élu président de la République. Donc, nous sommes dans une vision, à mon avis, où il faut essayer de remettre en cause un certain nombre de choses, une certaine vision. Et je crois, puisque je vois que les gens se battent, et j'ai vu Anatole Coligny-Makosso avec le ministre d'État de l'aménagement du territoire commencer à faire le tout, c'est encore pour venir dire Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme infatigable, il a tout réussi. Non, aujourd'hui, les Congolais sont fixés. Ce que je viens d'évoquer, c'est d'abord, d'ailleurs, un élément important sur lequel nous revient. Maintenant, l'autre partie que je vais essayer de développer, c'est l'aspect de la responsabilité. J'ai dit d'entrée de jeu que ce mot a été utilisé près de 16 fois dans le message sur l'indépendance de notre pays, le 64e anniversaire de l'indépendance. Et j'insiste sur ce mot, pourquoi? Mais parce qu'il est dit clairement que la responsabilité, c'est l'obligation et le devoir de répondre de ses actes, de les assumer, et d'accepter d'assumer les conséquences. Et c'est pour ça que je dis, j'aime à dire assez souvent que devant le bilan, devant le fait qu'il faut rendre compte, généralement on est effrayé. Et je dis, le passé effraie, le présent préoccupe et l'avenir demeure incertain. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais parlant de responsabilité, tel que je viens d'essayer d'esquisser une certaine définition, il faut parler de la responsabilité individuelle. Il faut parler de la responsabilité collective. Il faut même parfois parler de la responsabilité partagée. Mais je ne vais pas rester dans l'abstrait par rapport à cette situation. Je prends un cas, par exemple, le cas de la violation flagrante des lois et règlements de la République, de la Constitution, dans l'impunité totale. Et pour bien fixer les Congolais, je les ramène à la déclaration de l'opposant Denis Sassou Nguesso en novembre 1992, lorsqu'il dit « Cependant est vrai le fait que je n'accepterai pas que la Constitution soit violée. » Et il a ajouté « Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. » Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Puisque tous les gouvernants sont dans une situation de violation des lois et règlements de la République, et particulièrement de la Constitution. Que faisons-nous? Qui en est responsable? Mais je dirais que la réponse est claire. Surtout que nous vous avons rappelé l'article 77 de notre Constitution, qui fait apparaître clairement que lors de la prestation des serments, le président prête, lors de son entrée en fonction plutôt, le président prête le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Est-ce qu'on peut encore avoir des discussions sur ce genre de problème? Mais ce cas n'éclaire peut-être pas tout le monde. Je vais essayer d'aller à un autre cas. Le deuxième cas que je vais évoquer, c'est la situation de non-déclaration du patrimoine par tout citoyen élu ou nommé
à une autre fonction publique, conformément à l'article 55-48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et 55 de la Constitution du 25 octobre 2015. Mais comment constater que depuis 2002, aucun gouvernant n'a déclaré son patrimoine conformément à la loi? L'expérience qui a été faite avec l'enthousiasme d'Anatole Collinet-Macosso en 2021 n'a pas été faite conformément à la loi. Et assez souvent, on a dit quoi? Non, depuis 2002, on n'avait pas pris le texte d'application de la Constitution, des dispositions de la Constitution sur cette question. Mais qui devait prendre le texte? Je rappelle aux Congolais que après la guerre dite du 5 juin, on avait prévu une transition flexible de 3 ans. Mais elle a finalement duré 5 ans pour qu'on découvre que l'un des textes importants, notamment relatif à l'application de la déclaration du patrimoine, très important pour la gouvernance et la bonne transparence, n'a jamais été pris. En fait, ça a été fait exprès. Pourquoi? Mais parce que les gens avaient la préoccupation de l'enrichissement illicite. Ils ne voulaient pas se perturber l'esprit. Ils voulaient regarder un certain nombre de choses. Au-delà de ça, passons à l'exemple du Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi. Qui est responsable de cette situation? Et on nous a dit lors du 5e congrès ordinaire du PCT en 2019 que les 2588 congressistes ont unanimement décidé de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail. En fait, président du Parti congolais du travail, en violation flagrante avec l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute autre responsabilité dans un parti politique. Regardez où nous en sommes. Mais de surcroît, lorsqu'on prend la loi 20-2017 du 12 mai 2017 sur les partis politiques, l'article 31 dit clairement qu'en cas de violation ou de troubles à l'ordre public, le parti est suspendu immédiatement par les ministres de l'administration du territoire. Posons-nous la question, qui est responsable? Les gouvernants sont responsables en général. L'Assemblée et le Sénat ont une grande responsabilité. Le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre qui a la charge de la gestion des partis politiques également, est en plein et il ne peut pas faire autrement. Maintenant, au-delà de ça, posons-nous la question fondamentale. Qui est responsable de la souffrance et de la misère des Congolais? Je préfère ne pas répondre à cette question. Je préfère laisser les Congolais eux-mêmes répondre à cette question. Qui est responsable de la souffrance et de la misère des Congolais? Qui est responsable de la souffrance et de la misère des retraités? Qui est responsable de la souffrance des étudiants? Qui est responsable des arriérés de salaire, des milliers de travailleurs de plusieurs structures, etc.? Mais ces questions, on doit les aborder non pas de façon abstraite, on doit les aborder de façon franche et essayer d'avancer. Sinon, on va pratiquement essayer de se torpiller. Il n'y a pas de problème à retrouver les responsables. J'évoque un autre cas. Qui est responsable de la disparition des 14 000 milliards, des excédents budgétaires qui étaient, semble-t-il, destinés aux générations futures? Et j'aime bien poser cette question. Pourquoi? Mais parce que dans son message sur l'état de la nation en août 2006, le président de la République avait lui-même déclaré, puisque c'est devant tous les députés, devant tous les sénateurs, pour la nation, que les budgets dégagés des excédents budgétaires, que ces excédents budgétaires devaient être déposés dans un compte de stabilisation dans lequel aucun franc ne pouvait être retiré sans loi de finances rectificative, et que chaque année, un audit devait être fait par la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Et cet audit devait être rendu public cette année, chaque année, depuis 2006. Où en sommes-nous
qui est responsable de ce que la Cour des comptes et des disciplines budgétaires n'a pas fait son travail, qui est responsable de la disparition totale d'une masse aussi importante d'argent, pendant que le Congo n'a pas d'argent et que nous souffrons. Je pose ces questions pour que les Congolais, vous méditez. Moi, je peux dire globalement les gouvernants. Et j'enchaîne. Qui est responsable de la protection des responsables des scandales de crimes économiques et financiers dans notre pays? On peut les citer. On a vu comment ça a marché pour le FIGA. On a vu comment ça a marché pour les révélations faites sur 6 Congolais qui détiendraient 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. On a vu le curieux silence du gouvernement sur le travail fait par une ONG qui a révélé que 160 milliards de francs CFA ont été détournés entre 2020 et 2022 au ministère de la Santé. Pourquoi ce silence devant l'information donnée également par une ONG selon laquelle 25 milliards de francs CFA relatifs au fonds pour la pandémie COVID-19 ont été injustifiés? Et vous voyez bien qu'il y a une situation extrêmement préoccupante. Qui est responsable des malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture? Bref, la situation est véritablement préoccupante. Ça nous permet, quand on réfléchit et qu'on médite, on se dit avec ce tableau sombre, quel Congo allons-nous léguer aux générations montantes et aux générations futures? Quel Congo allons-nous laisser? Et quand nous parlons de paix, nous n'en parlons qu'au bout des lèvres. Et moi, je le dis, parce que j'ai déjà évoqué une situation tout à fait particulière dans ces pays. Quand on a parlé de ramassage des ânes, on n'en parlait que dans le poule. Mais on sait que les ânes circulent dans tout le pays. Est-ce qu'on peut parler de paix? Est-ce qu'on peut parler du vivre ensemble? Est-ce qu'on peut dire que le Congo est un pays attractif? Je dis non. Mais j'ai voulu, à mon avis, m'appesantir sur ce problème de responsabilité. Parce qu'au moment d'établir les responsabilités, il faut que chacun de nous accepte d'assumer sa part de responsabilité. Permettez-moi la répétition de ce point de vue. Et je dis, pour aller à la conclusion, chers compatriotes, vous voyez bien que notre pays se trouve dans une situation extrêmement difficile. Et nous avons eu l'occasion de le dire, l'avenir est incertain. Nous avons déjà sacrifié les générations futures avec un endettement endémique, insoutenable, en dépit des efforts qui ont été faits par la communauté internationale pour que, en 2010, nous atteignions le point d'achèvement de l'initiative du pays pauvre, très endetté. Et quand on vient, on se présente comme si nous n'avions aucune responsabilité. Non. Le pouvoir du président Denis Sassou Nguesso, lui qui est au pouvoir depuis 40 ans, le PCT qui est revenu au pouvoir et qui n'a fait qu'empirer les choses depuis 1997, ils doivent assumer leurs responsabilités. Et lorsque j'entends les gens dire qu'ils se préparent à conserver le pouvoir, ça veut dire qu'ils vont conserver le pouvoir pour enfoncer davantage le pays dans le chaos. Et c'est là que j'interpelle les Congolais. Et c'est là que je fais apparaître aux Congolais notre part de responsabilité. Je pourrais parler de responsabilité collective ou de responsabilité partagée. Et je dis aux Congolais, tout ça s'est passé parce que, évidemment, les gouvernants ont une responsabilité, mais les Congolais ont une grande responsabilité parce que le silence n'est pas l'attitude appropriée devant les actes qui sont posés par un régime comme celui qui nous dirige actuellement. On nous dit, il faut aimer le pays, il faut aimer la patrie, il faut aimer la justice, il faut aimer la morale. Est-ce que nous aimons réellement ce pays? Et au gouvernant, je dirais, vous n'aimez pas ce pays. Parce que si vous aimiez ce pays, après que vous ayez présenté aux Congolais un projet de société, soi-disant, ensemble poursuivant la marche entendue, marche vers le développement. Est-ce qu'il est normal que
vous prenez l'argent des caisses de l'État pour aller les déposer à l'extérieur, dans d'autres pays. C'est-à-dire que vous contribuez à la fois à développer les autres pays que le vôtre et vous contribuez à enfoncer le Congo dans le sous-développement. Non, chers camarades. Et c'est là que je termine en disant, chers compatriotes congolais, prenons conscience de ce que la situation de notre pays est sérieuse. Notre nation est en péril. Il nous faut un sursaut national. Il nous faut un sursaut national pour sauver ce pays. Le président Sassou, le Parti congolais du travail ont lamentablement échoué. Ils cherchent à se maintenir au pouvoir pour continuer à masquer le bilan fortement négatif qui leur a permis de plonger le pays dans le chaos et dans la situation catastrophique et dramatique que nous connaissons maintenant. Et si nous voulons avancer, il faut que nous prenions conscience. C'est pour ça que lorsqu'on parle de l'élection, c'est pour ça que lorsque je vois sur les réseaux sociaux, les gens disent « le président Sassou, il fait beaucoup de choses ». Non, le président Sassou a lamentablement échoué. Il faut que les Congolais le comprennent, que les membres du Parti congolais le comprennent. Et je pense que lui-même, il doit essayer de s'interroger parce que je ne suis pas à sa place. Mais lorsqu'on essaye de révéler, lorsqu'on révèle un complot qui devait porter atteinte à sa vie par un assassinat ou par un renversement, je ne sais pas de quelle manière, aujourd'hui, je sens pour le président Sassou comme une espèce de solitude. Aucune voix, tant du Parti congolais du travail, que d'aucun autre parti de la majorité s'est levé, soit pour démentir, soit pour appuyer, soit pour faire une opposition. Ils ont choisi le silence complet. C'est pour ça que je dis, chers compatriotes, prenons conscience de ce que la situation de notre pays est extrêmement sérieuse. Allons à un sursaut national. Vous me direz quel sursaut national? Nous avons fait toutes les propositions à ces gouvernants. Ils ont tout refusé. Je me tourne vers vous, les Congolais, pour dire quelle solution, comment on devrait aller. Quand je dis qu'on a fait les propositions, quelles sont les propositions qui ont été faites? On avait commencé par leur proposer les États généraux de la nation. À l'époque, ils disaient qu'il y avait tellement d'argent qu'on n'avait pas besoin d'ailleurs que nous qui demandions cette démarche, on était traités comme des gens qui étaient en quête d'un poste ministériel, etc. Ensuite, on a demandé la tenue d'un dialogue national sans exclusive. Mais on a entendu beaucoup de choses. Et on se demande pourquoi on a, par les articles 227 et 228, on a mis en place un conseil national de dialogue qui, depuis la nomination de son secrétaire, depuis 2017, je crois, ne s'est jamais réuni et n'a jamais abordé le moindre problème d'intérêt général. Donc, c'est sur ça, mes chers compatriotes, que je vous dis, la situation est sérieuse. Il nous faut un sursaut national, mais nous souhaitons que la réponse du sursaut national vienne des Congolais. Les propositions que nous avons faites ont été refusées. Donc voilà, chers compatriotes, une des dimensions que j'ai voulu donner au message que j'ai entendu le 14 août à l'occasion du 64e anniversaire de notre pays. Je regrette et je relève en terminant ce message. Sachez, chers Congolais, que 64 ans après l'indépendance, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, et la situation du chômage des jeunes, etc. C'est une situation véritablement dramatique. C'est sur ces mots que je termine notre échange de ce jour. Et je souhaite que nous nous retrouvons la prochaine fois. Je crois que ça sera le 31 août. Et après, nous rentrerons dans le mois de septembre. Donc, je vous souhaite une aimable, j'espère que vous avez accordé une aimable attention à ce message. Je souhaite que nous nous retrouvons et que le 31 août, nous trouverons un bon thème que nous allons développer. À bientôt.